Troisième jour du chantier participatif. Nous sommes mercredi et logiquement, beaucoup d'enfants sont venus mettre la main à la pâte. C'est le mur qu'il faut peindre. Oui. Non, c'est nous. Non, c'est pas les mains. J'aime bien peindre, j'aime bien faire des activités, j'aime tout. Et par contre, vous restez tranquille là. D'accord ? On retrouve Céline. Souvenez-vous, elle était là dès les premiers coups de pinceau. Cette mère de famille ne se lasse pas du chantier. Elle vient tous les jours. On rigole bien, une bonne équipe. Voilà. Moi, tant qu'il reste de la peinture, je serai là. Ça, c'est sûr. Un peu plus loin, Djibril, Jamel et Séverine n'ont pas la tâche la plus facile, mais cela n'entame pas leur bonne humeur. Salariés de la maison phare, comme usagers, tous ont à cœur de redorer le blason de la structure. D'abord, le beau, ça compte, vraiment. Et puis ce qui est chouette dans ce projet, en dehors de rendre notre maison phare jolie, c'est que c'est qu'on est tous ensemble, quoi. Les voisins, les voisines, les vieux, les petits, les personnes à mobilité réduite, les autres qui ont la chance d'avoir la santé. Enfin, on est tous ensemble et surtout, on ne se prend pas la tête. On est vraiment dans l'amitié, les gens sont là parce qu'ils aiment la maison phare, qu'ils aiment leur quartier, puis qu'on s'aime vraiment fort entre nous, pour de vrai. Je vais souvent à un autre quartier et on m'a proposé de venir ici, pour faire de la peinture, quoi. Et vu que j'aimais bien la peinture, je suis venue aider. Parce que il y a beaucoup d'activités, c'est un endroit où on se réunit, quoi. C'est un endroit où on parle. Si t'as des problèmes, tu peux en parler là-bas, quoi. Vive Fontaine Douche. On ne vous a pas encore parlé de Kiki. C'est une figure du quartier. Elle y habite depuis 40 ans. On commence par un mur, puis on finit par un immeuble. J'y suis encore pas. Hein. Cette retraitée est partante pour tout, toujours en train d'amuser la galerie. J'aime bien la bonne humeur, avant toute chose. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le rire, c'est très important. Donc plus je fais le guignol et plus les gens sont contents, ben moi aussi. Donc je rentre heureuse chez moi. Naturellement, Kiki a mis son énergie au service de la MJC. Elle aime l'âme du lieu. Mais cette chaleur humaine, c'est aussi les bénévoles comme Kiki qui la créent. C'est un lieu de partage, d'échange. Il y a 47 ethnies différentes. Donc ce qui permet, quand tu n'as pas d'argent pour voyager, on voyage tous les jours ici. On fait ensemble ? Tu as mis le plus au milieu ? 1, 2, 3. Anouk, elle, est en service civique à la maison phare. La jeune femme initie à la sérigraphie ceux qui souhaitent faire une pause dans le chantier peinture. Quand l'imprimerie dévoile de nouveaux horizons. C'est pas quelque chose qu'on connaît forcément, c'est quelque chose de plus artisanal. Maintenant, c'est les imprimantes un peu électroniques. Et justement, de leur montrer ça, c'est de leur montrer qu'avant, on faisait des choses aussi à la main et que c'est pas forcément ce qu'on faisait avant qu'on peut plus faire maintenant. Et c'est un peu aussi de leur montrer, et de manière amusante aussi, pas qu'ils aient juste le passage, mais d'après leur faire colorier leurs dessins et qu'ils aient vraiment tout ce processus en fait de création. Là, lui, pas... il est trop défoncé. Bah oui, tu fais comme ça. Vas-y, tu as une marque blanche, t'es où, tu vas voir. De l'autre côté du bâtiment, Yako et ses plus fidèles lieutenants s'attaquent au traçage de la dernière façade, celle de l'accueil. Un œil sur la cohérence graphique, un autre sur la pendule. La semaine de chantier file à toute vitesse. Ça se passe de mieux en mieux, du coup, chacun trouve sa place, ça avance hyper bien. Du coup, on a vraiment créé des binômes où... Et chacun se répartit les tâches, donc ça y est, on commence à te roder. Ta main, elle est parfaite, la droite, la gauche. Ah bah là... C'est intense et surtout, faut pas s'enflammer à faire vouloir proposer une réalisation qui peut pas rentrer dans ce délai, quoi. Donc faut être super réaliste, mais avec beaucoup de travail, quoi. L'équipe va d'ailleurs être prise par son élan créatif. Ce n'était pas prévu, mais 330 litres de peinture vont être utilisés.